Salut tout le monde, c'est BigGaming84. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review sur ma collection de véhicules miniatures. Et là, on se retrouve avec un Alftrak américain de chez Solido, qui est incomplet malheureusement, mais qui est en assez bon état. Alors, c'est un Alftrak, donc Solido. Malheureusement, bah ouais, malheureusement, hein, made in Thaïlande, Alftrak M3. Il a un numéro 1, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué chez Solido. Mais là, en revanche, il y a tout marqué. Donc c'est le O150e, c'est le numéro 244, 4-76. 4-76, je crois que c'est une histoire d'années de conception du modèle d'origine. Donc c'est possible que ce brevet ait été déposé en avril 76. C'est peut-être ça. Après, il faudrait se renseigner un peu plus sur les numéros d'identification Solido. Et c'est pas si simple que ça. J'aimerais bien trouver des infos. Si vous avez des liens ou des sites, je suis totalement preneur. Donc, spécifique à ce modèle, très très lourd. Il est très... Voilà, il pèse son poids. Il pèse son poids, il est en métal. Crochet plastique ici. Quasiment tout est en plastique là, sauf cette partie en métal. Ici, roue en plastique, évidemment. Tout en métal ici. Voilà. Manque un peu de détaillage, mais bon, les phares en plastique, la croix, enfin l'étoile américaine, blanche en décalco, très bien faite. Voilà. Ici, le canon. De mémoire, c'est un canon de 75 que j'utilisais, mais je suis pas sûr à 100%. Et en revanche, normalement, il y a plein d'accessoires, mais là, il manque. Là, il doit y avoir une mitrailleuse avec son support. Là, peut-être une antenne ou la même chose. Là, une mitrailleuse. Là, il manque plein de pièces, vous voyez, il manque plein de pièces. Et j'essaie d'en trouver un autre pour en faire deux. Pour en faire ouais, un deuxième, un peu plus. Voilà, que ce soit un peu complet, un peu joli. Mais c'est pas facile de trouver. Et voilà. Il faut trouver, il faut chercher. Il faut prendre le temps de chercher les pièces. Moi, je cherche, hein, mais après, comme je vous dis, je prends mon temps. Et bon, un beau jour, j'arriverai à en reconstruire un. Donc, au niveau valeur, on va en parler. Que vaut ce véhicule? Ben, ce véhicule, avec sa boîte, c'est un véhicule qui vaut 10-12 euros. À partir du moment où les Made in Thaïlande, ça vaut guère plus. Voilà, comptez 12 euros. Sans boîte et complet et en bon état, comptez. Ouais, 5 euros. Ouais, 5 euros. C'est déjà cher payé. 5 euros. Enfin, cher payé, c'est 5 euros, c'est le prix. Et dans cet état-là, il faut compter 3 euros, je pense. 3 euros, 3, 4 euros, allez. Ça vaut guère plus parce qu'il manque des pièces. 4 euros, voilà, parce qu'il manque des pièces. Il faut le compléter. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot pour compléter un véhicule comme ça. Mais honnêtement, déjà, avoir un petit Alftrak Solido, c'est très sympa. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Le canon, par contre, est en white metal, en métal blanc. Pareil pour le support. Il y a une vis ici. Donc vraiment c'était quand même des véhicules de qualité, même si c'était fabriqué en Thaïlande, c'est des véhicules de qualité. Les volants, alors si vous avez la méthode pour les mouler, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours, 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 toujours les mêmes chez Solido. Très facile. Enfin, pour les véhicules militaires, c'est souvent les mêmes. Donc c'est très très simple. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des infos sur les modèles Solido, si vous voulez partager quelque chose. Si vous en avez un également, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Moi, je me documente beaucoup. Si également vous voulez avoir une vidéo sur un modèle que vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Vous l'aurez pas de suite parce que c'est pas sûr que j'ai le modèle moi, mais un modèle ou un 43e ou quoi, n'hésitez pas. De n'importe quoi, ben, moi j'essaierai de vous faire une petite vidéo dessus. Si j'en trouve un, j'essaierai d'en parler. Ou si vous avez besoin d'infos, j'essaierai de vous trouver quelque chose. Faut pas hésiter. Et bien voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, laissez un petit j'aime, un commentaire et pensez à vous abonner. Allez, à plus!